Le marché parisien évolue toujours dans le rouge ce midi avec un CAC 40 en repli de 0,1%. Et le titre Total recule de 0,7% ce midi dans le sillage des cours du brut. Et globalement, les valeurs cycliques pèsent sur la tendance. LafargeHolcim et ArcelorMittal abandonnent aux alentours d'un 1,5%. Et puis Danone également dans le rouge. Danone pénalisé par une recommandation à vendre de la part de la Deutsche Bank ce matin. Le secteur automobile à l'inverse est entouré. Il profite des bons chiffres des immatriculations en Chine le mois dernier. Valeo progresse d'un 1,5%. Peugeot et Renault gagnent aux alentours de 0,5%. Et puis les valeurs bancaires se distinguent également, notamment Société Générale. Le marché parisien reste ancré dans le rouge au lendemain de la réunion de la BCE, la Banque Centrale Européenne qui a choisi de ne pas modifier ses taux d'intérêt ni son vaste programme de rachat d'actifs. Le président Mario Draghi a laissé la porte ouverte à d'éventuelles mesures supplémentaires à l'avenir, des éléments que les investisseurs avaient déjà intégrés depuis longtemps. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.